Croisie Europe vous invite à embarquer pour une croisière sur le Rhin romantique. Un fleuve à l'histoire fascinante qui a inspiré de nombreuses légendes populaires. De Strasbourg à Amsterdam, en passant par Rüdesheim et Cologne, vous découvrirez des villes qui possèdent un patrimoine historique d'une incroyable richesse. Point de départ de cette aventure entre l'Alsace et les Pays-Bas, Strasbourg. La capitale de l'Europe est une ville splendide au passé glorieux. Notre-Dame de Strasbourg est une des plus remarquables cathédrales gothiques de la planète. C'est un monument ciselé de dentelles sculpté dans le gris rose, un chef-d'œuvre de délicatesse à la façade impressionnante. Du haut de la plateforme, vous aurez une vue imposante sur la vaste plaine d'Alsace, les Vosges et la Forêt Noire. Une balade en bateau-mouche vous permettra de découvrir une ville qui a su préserver tous les trésors architecturaux de son passé. Avec ses nombreuses maisons à colombages et ses ruelles à l'ambiance médiévale, le quartier historique de la Petite France vous laissera des souvenirs inoubliables. La première escale de votre périple sur le Rhin se trouve en Allemagne. Rüdesheim est une petite ville de la région de la Rheingau, qui est connue pour ses paysages riants et ses vignobles. C'est l'occasion de faire un arrêt chez les négociants de vin pour acheter quelques bonnes bouteilles et de visiter un musée tout à fait original, le cabinet de musique mécanique de Siegfried. Cette croisière vous mènera au cœur de paysages qui vous transporteront dans une autre époque. Le Rhin a toujours été une voie commerciale très fréquentée, aussi bien par les navires marchands que par les brigands qui avaient l'habitude de les détrousser. Il fallait donc assurer la sécurité sur le fleuve, et c'est pour cette raison qu'il y a autant de châteaux sur ses berges. Temps fort de cette visite à Cologne, sa majestueuse cathédrale qui est devenue le symbole de la ville. Comme la cathédrale de Strasbourg, c'est un chef-d'œuvre de style gothique flamboyant dont la construction a duré près de 600 ans. Votre bateau poursuit sa route vers le nord et les immenses champs de tulipes des Pays-Bas. Voici Amsterdam, la destination finale de votre croisière sur le Rhin. Plus de 100 km de canaux, 1500 ponts, des milliers de vélos qui circulent dans ces rues. Il règne ici une ambiance décontractée absolument unique en Europe. Avec ses nombreux musées et monuments, Amsterdam est une destination de rêve pour les amateurs d'art et de culture. C'est une ville tolérante, moderne et dynamique, où la vie nocturne est trépidante.